Aujourd'hui, Anticorps 69 organise un rassemblement pour l'agrément, comme on l'a nommé. C'est donc un rassemblement pour rappeler au Premier ministre qu'il a non seulement la possibilité, mais nous considérons le devoir d'octroyer l'agrément d'Anticorps qu'on attend depuis maintenant plus de 14 mois. On a eu un agrément qui nous a été octroyé en 2021, qui a été retiré par la justice en juin 2023 parce qu'il était mal rédigé par les services de Jean Castex qui nous l'avait octroyé à l'époque. Donc c'est une erreur de format. Donc il n'y a pas eu de reproches qui ont été faits par la justice au fonctionnement d'Anticorps ou à sa capacité d'obtenir cet agrément. Et depuis, on a donc redéposé des demandes et à aucune de nos demandes, il n'a été répondu ni par le gouvernement d'Elisabeth Borne, ni par le gouvernement de Gabriel Attal. L'association Anticorps, c'est une association qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et donc on existe depuis une vingtaine d'années. On agit surtout au tribunal quand il y a des faits qui nous semblent devoir justifier une enquête judiciaire. Mais on fait aussi de la communication, de la sensibilisation dans les écoles, sur les réseaux sociaux, via des événements culturels, que ce soit pendant les périodes électorales où on recommande aux candidats un programme éthique qui nous paraîtrait pouvoir améliorer la gestion éthique de la France, ou alors hors période électorale sur des réformes institutionnelles plus profondes. L'association est à l'origine d'un nombre de plaintes. On a 135 dossiers en ce moment au national. Et donc ça, c'est des dossiers qu'on met sur le bureau d'un juge. Ce n'est pas nous qui décidons si la personne est coupable ou non. En revanche, on s'assure que le procureur, qui peut-être peut subir des pressions de sa hiérarchie, puisqu'il est soumis au ministère de la Justice pour sa carrière, n'enterre pas des dossiers qui seraient un peu trop politiques. En local, par exemple, on a travaillé sur le cas des époux Cochet, donc le maire de Caluire-et-Cuire, qui aurait, nous semble-t-il, embauché sa femme comme assistante parlementaire. La justice va faire son œuvre et voir si effectivement le pas loin du million d'euros qu'on leur reproche d'avoir empoché était légitime ou pas. Nicolas Sarkozy sera accueilli par M. Macron pour former éventuellement un gouvernement. Vous en pensez quoi? Pas officiellement, peut-être, je ne sais pas. Mais... Nous, on est toujours pour que les personnes qui arrivent à des charges importantes, et ce serait le cas d'un Premier ministre, soient évidemment complètement probes et aient une éthique importante. Il est important de dire que l'association Anticorps, c'est une association transpartisane. Donc, peu importe la couleur politique de la personne qui va être nommée, il nous semble que pour que la confiance soit restaurée entre les citoyens et les hommes politiques, et Dieu sait si elle a été mise à mal récemment, il faut absolument que ces personnes aient une éthique irréprochable. Ce qui ne serait pas le cas de M. Sarkozy, évidemment.